Freeborn. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyan Freeborn. Elle dit non. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyan Freeborn. Parfois il y a des choses qui font rire. Quand tu veux pas, les gens veulent pas le goûter. Il faut ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'eux, ils aiment se balader et faire leur propre vie, leur volonté. Maintenant, voici un truc bizarre qui va se passer ici. Moi, franchement, j'ai jamais vu tout pareil. Je vous explique avant qu'on aille voir cette vidéo. Mon Dieu. Jésus. Un homme a invité sa copine dans un restaurant. Les deux étaient en train de manger tranquille. Oh chérie, ça va, tu es belle, tu es jolie. Et c'est là. Oui, merci beaucoup. Il faisait tout cela. C'est pas parce qu'elle était vraiment belle ce jour-là. C'est tout simplement parce que il voulait lui demander un mariage. Quand le moment est venu, il y avait ses amis qui étaient cachés, son ami qui était caché quelque part. Il lui a demandé de tenir la caméra et de filmer parce que l'heure est venue pour qu'il demande la main de la fille qui compte beaucoup pour lui, puisque les deux sont ensemble il y a longtemps. Et il pense que l'occasion est appropriée pour lui demander sa main. Il veut la marier, il veut l'épouser. Il y a des femmes ici qui cherchent ça, elles cherchent ça même. Elles sont même chaudes pour cette occasion comme ça. Que va-t-il se passer? La fille, elle sera face à cette affaire. Le jeune homme aussi, lui, il se met en genoux. Comme s'il va prier. Quand il essaye de prier, il se met pas en genoux, il se met pas en genoux. Mais quand il y a une femme qui veut se mettre en genoux pour. Mais une femme, c'est même ton Dieu. Si tu as soif, puis tu dis, ah, moi, tu es jolie, tu demandes à mariage, ça veut quoi? Tu es même forcément jolie. Bon, expliquez-moi, est-ce que vous êtes prêts à faire ça aussi? Nous tous sommes confrontés à cette affaire. Mais, ce qui s'est passé, c'est lui-même qui a cherché. Il a demandé la main de la fille en mariage. Là, devant les gens. La fille, elle est là, elle regarde. Elle regarde les gens qui sont à côté. Elle regarde la nourriture et elle dit bon, si moi chérie, c'est pas moi, on voit ça ensemble. Peut-être ça vous fait rire. Vous devez vous abonner et partager cette vidéo. Ok, let's go. J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte à merveille. C'est une chose que j'aimerais partager avec vous. C'est un truc hors du commun. Moi, j'ai jamais vu ça. Ça me fait même rire. Ne m'en voulez pas si je rigole beaucoup. Parce que ça fait même rire. C'est parce que c'est de la blague. Wouh! Regardez même ça. Oh! Un truc hors du commun. Comme vous le voyez, ils sont ici sur le corps. Jésus. Et ils veulent se demander un mariage. Allons le voir. Regardez-les. Jésus. Tout s'est passé dans un restaurant. Oui, dans un grand restaurant. Jésus. Il y avait du monde, les gens étaient là. Même les Chinois étaient présents. Ils regardaient la scène. Le jeune homme s'est mis en genoux et il demande la main de la fille en se faisant filmer par quelqu'un. Est-ce que c'est de la blague? Est-ce que c'est un truc organisé? Qui sait? Mais vous êtes là et vous êtes très intelligent. Regardez la vidéo maintenant. Là, il va maintenant demander la main de la fille. Regardez, la fille, elle est là. Elle regarde le gars, elle regarde à gauche et à droite. C'est elle qui est ici. Hein. Ils sont obligés de vous dire que c'est elle qui est ici. Tellement, ça ne se sent pas qu'elle va dire oui. Ah, regardez, elle est ici. Hein. Elle regarde à gauche et à droite. Le gars, celui-ci, il est là avec une bague dans la main. Hein. Il est même sérieux, il est même chaud. Il se croit même dans un film romantique. Regardez. Finalement, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire non. Et elle va attraper son visage. Les gens me tentent de lui dire ah, c'est yes, faut dire oui, ma soeur, pardon, pardon, faut dire oui. Elle dit j'ai compris. Non, j'ai halluciné ou quoi? Et regardez, les gens qui sont à côté, elles sont dépassées. Regardez même la femme qu'elle a là. Elle a fait sa bouche comme ça. Ouh, elle dit ah, j'ai jamais vu ça. Comment tu peux dire non? Ah, sérieux? Vous êtes ensemble depuis il y a très longtemps, tu vas dire non comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, si tu voulais dire non,
Ou bien tu ne l'aimais pas. Pourquoi tu étais avec lui? Lui, il t'a pris au sourire, il t'a mis dans son cœur. Maintenant, tu dis non. Ah! Qu'est-ce qui va pas avec toi? Et vous allez voir la réaction de l'homme. C'est soyé. Comme on dit chez nous, c'est soyé. C'est même soi, c'est même drap. On dit chez nous, tout. Là, maintenant, là, c'est la honte. La honte! La honte! Que va-t-il se passer? Le jeune homme, il est là. Il regarde la fille. Il regarde la bague. Il regarde en même temps les gens. Il a du mal à y croire. Ah! Nous sommes ensemble depuis très longtemps. Et tu oses dire non? Ok, tu vas voir. Regardez la suite. Et les gens sont là, ils l'encouragent pour dire, oh, c'est pas grave. Si elle a dit non, c'est pas grave. Ça va aller. Et le gars, tout à coup, il se met en colère. On est ensemble depuis là, hein? On est ensemble, on se connaît, on s'aime, non? Et puis pourquoi tu dis non? Et puis tu manges ma nourriture. Et puis tu portes ma chaussure. Vous allez voir ce qu'il va faire après. Wow! Ça, ne faites jamais ça chez vous. Elle n'est pas obligée de dire oui. Elle n'est pas obligée de dire oui. Avant de venir. Regardez maintenant ce qu'il va faire. Va maintenant enlever la chaussure de la fille. Regardez, ça c'est pas être un homme. Ah, ça c'est quoi ça? Quelle est la chaussure de la fille là pourquoi? Quelle est la chaussure de la fille là pourquoi? C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Comme elle a dit non, il est fâché. Il est fâché parce qu'il lui a jeté tout, beaucoup de choses, la chaussure qu'elle a, la nourriture, et devant les gens, il va commencer à enlever la chaussure. Hey! Regardez, est-ce que ça c'est un fake? Est-ce que c'est organisé? C'est possible. Mais il prend la nourriture, il met même la nourriture de ce sachet. Et il s'en va même avec la bouteille d'eau, il a bu même l'autre bouteille d'eau. Est-ce que vous avez vu ça? Vous nous allez revenir en arrière, vous allez voir. Regardez encore bien. Pourquoi tu dis non? Et il parle en anglais, hein? Ça c'est certainement aux États-Unis, c'est parce qu'il dit arrête. Mais pourquoi tu dis non? Tu manges ma nourriture? C'est en anglais, je vais vous traduire. Il dit, pourquoi tu dis non? Tu manges ma nourriture? Tu as botté ma nourriture, tu prends ma chaussure, je t'ai acheté. Et puis tu dis non. Tu n'as rien vu encore. Hey! Tu dis non. Ah! Vous voyez que ça fait rire. Est-ce que l'objet de dire oui? Est-ce que l'objet de dire oui? Là, parce qu'elle bouffe tout, là, elle va dire oui quand même. Peut-être que leurs conditions n'étaient pas réunies. Qu'elle accepte. Peut-être qu'elle même n'était pas encore prête pour se marier. Il y a beaucoup de choses. Et toi, tu te fâches. Tu lui arraches la chaussure. Tu lui arraches même la nourriture. Tu vois les gens aussi. Tu es mauvais d'air. Comment tu t'as créé? Ah! Maintenant, la fille aussi. Elle est dans les deux cas là même là. Il y a deux cas. La fille là aussi. C'est devant les gens. Ils te demandent un mariage. C'est stratégie, non? C'est technique. Tu n'as pas besoin de dire non devant les gens. Souvent, il faut être un peu stratégique. Tu n'as pas besoin de dire non devant les gens. Jean, tu dis oui tout de suite. Et après, quand vous êtes bien assis, tranquille, tout. Les deux, forcément ça va arriver. En ce moment là tu lui dis, écoute, je t'aime bien, je sais que tu m'aimes et que tu es trop pressé, mais le mariage c'est un engagement, on se marie pas pour divorcer, donne-moi un peu de temps, il va te comprendre.
Mais quand tu dis nom de mon échange, c'est vrai, on ne peut pas te blâmer pour ça. Jésus. C'est la vérité, tu as dit. C'est ce que tu viens de cœur, c'est ça, tu as dit devant les gens. Mais, Jésus. Comme vous savez, c'est pas du tout joli, joli. Mais dans le cas là, des deux là, qui a raison? Mais bon, qui a tort? Le gars, au départ, il avait raison. Les deux ans ensemble, ils s'entendent bien. C'est peut-être mes enfants, même peut-être plus de deux ans ensemble. Forcément, il doit demander ça, mais forcé. Donc, le moment approprié est venu pour lui de lui demander sa mère. Pour que ce soit officiel, les deux se marient et qu'ils rentrent dans les règles. Pour que les deux arrêtent de pécher. Pour lui, c'est tout ça. Donc, c'est bien. Il a demandé. Et elle, forcément, s'il lui a demandé ce qu'il sait que, sans doute, elle va accepter, vu ce que les deux font dans la chambre. Peut-être que c'est tout ça qu'elle a regardé. Parce qu'ils sont déjà allés trop loin. Donc, pour lui, c'est sûr qu'elle va dire oui. Mais donc, pourquoi dit-elle non? Ça, c'est son choix. En ce moment où elle a dit non, là, le gars, s'il restait calme, elle a dit que, oh, il n'y a pas de souci, tu as raison. Ah! Vous êtes ensemble, tu lui demandes sa main, elle ne veut pas accepter. Il faut qu'elle te donne des explications quand même. À ce moment-là, la fille avait tort. Mais là où la fille a gagné raison sur lui, ou encore là où ce jeune homme a eu tort, où il a perdu sa raison, là, c'est là où il s'est fâché. La colère parfois, ça gâte à faire. Oui, c'est même là où il s'est fâché. Là, il se fâche. Il arrache la nourriture, la chaussure et tout ça. Qu'est-ce que les gens ont dit maintenant? Les gens ont dit, ah bon, donc c'est comme ça que tu es. Donc tu es en train d'épouser la fille là pour la maltraiter. Ah bon, donc tout ce que tu lui as donné là, tu l'as donné par intérêt. Et les gens ont dit qu'effectivement, c'est que c'est même bien. C'est qu'elle a pris la bonne décision. Elle a bien fait de dire non. C'est bien fait pour ta gueule. Vous connaissez les gens? Voici comment les gens perdent leur raison facilement. Si elle savait, elle a même dit oui. Elle a même dit oui. Ah. Maintenant, dites-moi, il y a un problème un peu qui me dérange. Dites-moi, c'est qu'elle a fait de se toujours se mettre au genou pour dire ah, ma chérie, s'il te plaît, peux-tu m'épouser? Et puis, c'est qu'elle a fait de venir devant les gens. Et puis se filmer. Et c'est dit l'habitude des gens. Ils viennent devant les gens. Ils se filment. Il y a des filles qui sont timides. Même quand tu regardes la fille, tu as l'impression qu'elle est timide. Peut-être que ça l'a dépassé. Donc, ce qu'elle se dit, ça bouche le nom en même temps. Ça va arriver. Si vous devez lui demander la main de d'une personne, d'une personne que vous aimez bien. Si vous êtes intelligent. Fais ça à deux. Oh, personne ne te voit. Dès que tu es sûr qu'elle va dire oui là. Bon, dès que tu as déjà même dit oui et qu'elle est prête même à aller très loin avec toi, vous pouvez maintenant venir devant les gens et officialiser aux gens, voici. Voilà, ouais, c'est comme ça, nous sommes maintenant prêts à aller loin de cette affaire. Parce que... Elle est prête à m'épouser. Je pense que le mariage est un jeu. Ou bien, le mariage là, c'est le buzz aussi. Pour se marier, c'est le buzz. On ne se marie pas pour le buzz. On ne se marie pas parce que on veut voir son salaire augmenter. Ou bien on ne se marie pas pour que les gens nous respectent au quartier. Non. On se marie que lorsque on est mature. Oui, lorsqu'on est prêt. Et le mariage, là, c'est un cadeau qu'un homme va donner à sa femme, bon, à sa future femme. Le mariage, comment les gens vont, comment il va acheter les vêtements, il va bien s'habiller. C'est elle qui est à l'honneur, c'est un présent.
qu'on offre à la femme. Pour lui dire vraiment, Jésus. Tu t'es démarqué de toutes les femmes de la planète. Tu as touché mon cœur. Je suis prêt à t'offrir des cadeaux. Et ce cadeau-là, c'est le mariage. Après ça, tu lui offres une voiture. Jésus. Tu lui offres une maison. C'est son cadeau. Ouais. Et là, tu l'offres parce qu'elle le mérite. Et elle aussi, elle va accepter ta demande parce que toi aussi, tu le mérites. Sinon, elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée du tout. Parfois, nous devons consulter Dieu. Hein. C'est Dieu qui est intelligent que nous tous ici, qui nous donne sa sagesse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Vous devez partager cette vidéo. Vous abonner et activer la cloche. Si vous pensez que vous avez fait cette vidéo, cliquez tout sur j'aime. Et dites-moi ce que vous avez pu faire même rire. Parce que moi, quand je regarde ça, ça me fait rire. Peut-être que c'est encore nous tous pour faire le buzz. Vous savez ce que les gens font. Maintenant, pour paraître, les gens sont prêts à aller pour nous demander ce que vous pensez. Des gens qui vont organiser des petits trucs, se faire filmer et puis se gifler. Et que tout le monde, et puis que tout le monde en parle. Ça va. C'est un truc bien organisé. Je ne vais pas te donner le détail. Comment vous savez? Mais faites attention à vous quand même. Parce que moi, j'ai regardé dans l'œil de quelqu'un pour voir si il y a du sable à l'intérieur ou bien il y a du hamburger là-dedans. Vous regardez d'abord dans ton œil pour voir ce qui se passe là-bas. Mais faites attention à vous. Et vraiment, ne vous laissez plus avoir par les gens qui cherchent à se faire voir. Soyez prudent et soyez vraiment sage. Que tu dois sa sagesse et son intelligence. C'est parti pour le chien. Let's go. Wow.